Carole, aïe, voyez. Non, Carole, comment? Bon, tu as bonne bagnacle. Et ce n'est pas celle que je veux qu'on me donne. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, avec ce qui se passe dans le monde, avec la haine qu'il peut avoir des deux côtés, parce que bon, j'ai reçu des messages, moi aussi racistes, des messages de mort, mais je pense que le joueur, malheureusement, lui aussi peut être de son côté. Ça montre qu'on est dans des extrémités pour des matchs de football, et c'est honteux, et ce n'est pas possible. Mais ça montre aussi qu'en Afrique encore, à la Coupe du Monde, on était tous ensemble, on représentait l'Afrique, et malheureusement, quand il y a une compétition comme la Coupe d'Afrique, dès qu'il y a des oppositions de style, on essaye de ramener ou à la couleur de peau, ou à la religion, ou à d'autres choses. Il faut qu'on évolue si on veut que notre continent progresse. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, si on veut qu'on avance. Mais vous ne tomberez jamais sur quelqu'un qui va attiser le feu. Il y a eu des choses qui se sont dites après le match qui sont irréelles, et je le répète, et moi-même j'ai demandé à être entendu par la CAF. Voilà, je n'ai jamais eu insulté le joueur, qu'il le veuille ou pas. Ce n'est pas dans mes... C'est pas dans mon éducation, ça n'a jamais été dans ce que je fais. Ce que j'ai fait après le match, je le fais tout le temps, serrer la main de l'entraîneur, de l'arbitre et des joueurs. Peut-être, malheureusement, quand je lui ai serré la main et qu'il ne me regardait pas dans les yeux, j'aurais dû laisser passer. Mais moi, j'ai cette éducation et toujours ce moment où j'aime bien qu'on me regarde. Peut-être qu'il y avait un peu de tension, lui, il ne l'a pas accepté. C'est comme ça, mais c'est le football. Ce que j'ai appris de ça, c'est que la prochaine fois, j'irai serrer la main de l'entraîneur et de l'arbitre, et je ne me mêlerai plus des joueurs. C'est comme ça, mais ça m'a déçu, parce que ça touche plutôt ma famille. Quand vous êtes quelqu'un qui combattait ce genre de choses toute votre vie, et qu'en face, c'est une parole contre une parole, et en plus le joueur, malheureusement, parce qu'il faut aussi le défendre, c'est que dans son interview, jamais il a parlé de racisme. Jamais. Mais c'est là qu'on voit que la société, elle est malade. À partir du moment où il a dit, il a eu des mots que je ne peux pas répéter, ils sont partis tout de suite sur une couleur différente, donc il a dû dire quelque chose de raciste. Et ça s'est envenimé, que ce soit du côté congolais ou marocain. Et il y a des gens qui sont mauvais des deux côtés. Malheureusement, c'est l'être humain. Moi, je suis là pour calmer les choses. Il ne s'est rien passé de plus que d'une échauffourée d'une fin de match. Un joueur frustré, un entraîneur frustré, c'est terminé pour moi. Place au football, on se concentre, il y a une canne, c'est une fête. Et c'est une des meilleures cannes peut-être de l'histoire. On continue à avancer, mais malheureusement... Je condamne les messages que peut-être il a reçus, mais je condamne aussi les miens, parce que les 48 heures qu'ont passé mes proches, c'est un peu moyen.